What's up? Hello, Bly. Demain, on fait presque 8 heures de route en tout. On a 2 stops à faire. 2 petites activités que je vous parlerai demain. Puis, on va dormir sur la route, donc dans un hôtel, un motel. Comme vous avez pu le constater, on ramassait nos choses ce matin. On s'en va vers la Pennsylvanie. On fait un petit pipi stop, puis après on va manger un bon petit dîner. On est en Ohio. On s'est installé sur une petite table de pique-nique dehors pour le dîner. On a fini de manger. On repacte la glacière et tout ça. Dernier petit pipi. Et puis on repart pour environ 2 heures de route. Je viens de me réveiller. On s'en va dans un Harley Davidson. Oh my god, ma voix. Je m'en vais faire pipi aussi. Puis on arrive dans 23 minutes à notre première activité. Pour mieux vous expliquer l'activité qu'on s'en va faire, dans le fond, on s'en va au Memorial du Flight 93 qui a eu lieu le 11 septembre. Je pense que vous savez tout ce qui s'est passé le 11 septembre. Et là, on s'en va voir, dans le fond, le site où il y a eu le 4e avion qui s'est crash. Et c'est en Pennsylvanie. Et là, on est là. Donc, c'est ça. Il nous reste 25 minutes de route pour y aller. Par respect, on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur du centre. Ça vaut vraiment la peine si vous êtes intéressé par ça. C'est vraiment bien fait, puis ça rend vraiment hommage aux personnes qui étaient dans l'avion. Fait 93 pieds pour représenter le fait que c'est le vol 93. Quand il y a du vent, grâce à la tour, les trous font en sorte qu'il y a une musique qui joue. Là, on n'a pas choisi la journée la plus venteuse, donc on n'a pas entendu la mélodie.
McDo pour le souper. On est sorti du McDo. Je pense pas que je vous ai expliqué, mais dans le fond, la ville de Gettysburg, c'est un site historique. Juste là, c'est le champ de bataille qu'il y a eu pendant la guerre civile aux États-Unis. Et là, comme vous pouvez voir, cette semaine à Gettysburg, c'est la semaine des motards ou des motos. Donc, je pense que vous pouvez le remarquer. Il y a beaucoup de motos. Et mon père a acheté deux chandails tout à l'heure dans un kiosque. Voilà notre petit chambre pour la nuit. Il y a juste un gros lit. Moi je vais dormir par terre, Shani va dormir par terre et mon frère va dormir par terre aussi. Ce matin, on fait la visite du cimetière de Gettysburg. Donc on va se prendre une marche. On va dans un dépanneur pour acheter le déjeuner. On cancelle parce qu'il n'y avait rien. C'était toutes des cochonneries. Donc là, on cherche un endroit où manger. Ça va être compliqué parce que c'est toutes des tavernes de soir. Bon, c'est un peu bancal, mais on a trouvé un petit dépanneur. J'ai pris un muffin et un yogourt. On a fini de manger, puis là, on est dans une boutique souvenir. Je pense que je vais m'acheter un sou pour ma collection de souris. Shani s'achète un drapeau. On est revenu. On va ranger nos choses. Puis on va... Partir! On a tout pacté la voiture et le trailer. Là, j'attends tout le monde. Après ça, on fait 6h30 de route pour se rendre jusqu'à chez Lolo. Un petit stop de route pour aller manger, faire pipi. Et après ça, il reste comme 4h de route.
What's going on, guys? On vient juste d'arriver. Ben, pas juste, là, mais on est arrivé tantôt. Mm-hmm. Puis là, on a un petit souper. On a du salami, des œufs, du plantain et puis du riz. On est autour de la piscine. On s'en va se baigner. You want to say goodnight to the vlog? Alright, y'all. Yeah, I'm tired. It's time to go to bed. Bon matin! Aujourd'hui, en fait, je vous en ai pas du tout parlé, mais on s'en va à New York. On dort à New York. On passe la journée un peu demain à New York et on revient ici. Et là, on s'en retourne. Lolo, il vient avec nous. 3 heures de route à faire. C'est pas beaucoup et il est 7h57. This is what we ate for 2 days. Yeah, you see that's what I'm saying. I'm not doing that. Il reste comme 1h30 de route environ. Presque 2 heures. C'est parti ici. New York. What's the outfit? Oh, the outfit. Ok, donc. Je sais. Oh, merci. C'est l'outfit artificiel. Je vais bien. Ah, merci. Donc, on sort des vieux jardins qu'on a mis en 2020. Un chandail. J'ai mis ça pour comme revenir avec un peu. Des vieux shirts. Des bijoux. La ceinture. Puis d'autres fit. Des shirts. Vans, Nike, Jordan, c'est du Ardennes. Oh, j'ai oublié ça bien là. Camille, mon petit sac. Et les bijoux. Oh, j'ai les lunettes. J'ai même des lunettes. Yeah. Je sais pas si ça rajoute plus de. J'oublie les miennes, je pense. Ouais, moi j'ai des avis. Présentement, on marche pour se rendre au 9/11 Memorial. Donc, on a vu le mémorial de Flight 93 en Pennsylvanie. Là, on va aller voir celui à New York. Et là, il y a 1 heure de marche à faire. Ça va être nice comme journée. Ça va être nice. Mais il fait chaud. On crève. Shani est partie s'acheter une pomme verte là-bas. Elle s'en vient avec la pomme. On est au mémorial. Il faut qu'on attende pour acheter nos billets. On va rentrer dans le petit musée. Puis après, on va faire le tour en bas. Nous rentrons dans le mémorial. J'ai essayé de mettre la main. Là, on est dans le métro. On s'en va à Staten Island pour voir la Statue de la Liberté.
the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Even when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you. Back to you. See, moi je vais faire un petit sub au Subway. What are you trying to eat? I got no idea. Espagne contre Angleterre. Shani qui mange enfin son burger. Un petit taste test. En ce moment, on a fini notre tour à Times Square. On s'en va retrouver notre voiture, on va prendre nos choses. Puis on va se rendre au studio qu'on a loué, c'est un Airbnb. On va dormir là cette nuit. On a marché toute la journée, mes pieds sont en feu. On est arrivé dans notre petit studio, c'est quand même vraiment cute. Deux lits, et puis on a gonflé un petit lit ici aussi. Bon matin tout le monde! Say hi! Top of the morning! Mindez pas ma tête! On va à la voiture pour redéposer nos trucs. Après, on va aller déjeuner. Puis après, on sait pas trop ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on repart à Rhode Island tout le monde. J'ai pris une toast aux avocats avec une limonade. And what'd you grab? We got a whole lot of hash browns. What is this? Strawberry dragon fruit with green tea. And then this is? A honey bacon something something sandwich. Can you show it? Wow, looks good.
J'étais venue l'année passée, puis là on revient parce que Mademoiselle Chani voulait voir le Disney Store. On est revenu à Times Square parce qu'il y avait plein de magasins qu'on voulait voir hier qui étaient fermés. Donc on revient, puis on s'en va quand on va avoir tout visité. On est à la voiture. Par contre, on est bloqué par trois chars. Du coup, ça sera pas long, mais ça sent. Arrivé. Et là, on s'en retourne pour acheter des frites parce que ce soir, on fait de la poutine maison. Il faut aussi qu'on achète du shampoing. On est en création de poutine. Voilà le résultat de nos poutines maison. Je pense que c'est un autre. Vous pouvez pas me voir très bien, mais là, présentement, mes frères sont dans la piscine. Quand ils vont sortir, on va aller à Insomnia Cookies, l'endroit de biscuits qu'on est allé l'année passée. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était vraiment bon. Fait que là, on s'en va là. Insomnia! J'ai pris caramel fleur de sel. Ça, c'est s'mores et deux triples chocolat. Oh. Babe, you're in the shot.